je suis Marion, je suis consultante chez Fed Office depuis un an et demi maintenant. Jennifer, consultante en recrutement chez Fed Office depuis un an. Pour approcher un cabinet de recrutement, la première étape, c'est de travailler son CV. Pour cela, il faut un CV structuré avec les bons éléments de détail pour vos postes, un CV dynamique, coloré idéalement. La seconde étape pour postuler en cabinet de recrutement, c'est de postuler à une annonce pertinente qui correspond à votre profil ou de déposer une candidature spontanée sur le site de Fed Office. Sachant que la tendance actuelle est aux entretiens en visio, il est important de choisir un environnement adapté pendant lequel faire son entretien, mais aussi anticiper les éventuels problèmes de connexion. Que ce soit pour un entretien en visio ou en présentiel, la présentation a son importance, notamment le choix de sa tenue. Et enfin, il est important de préparer sérieusement cet entretien, que ce soit par rapport à vos expériences, bien connaître votre parcours, mais aussi et surtout vos aspirations et ce que vous recherchez comme type de poste pour la suite. On fait des entretiens qui sont vraiment des échanges. L'objectif, c'est vraiment de comprendre ce que vous recherchez en tant que candidat et quel type de poste vous conviendra. Dans ce sens, on souhaite que vous soyez transparent, que vous nous donniez vos critères de recherche de manière précise pour qu'on puisse vraiment vous accompagner dans votre recherche et vous proposer les postes les plus adaptés à votre profil. Il est important que vous envoyiez au consultant les documents qu'il vous aura demandé ainsi que vos contacts afin qu'il puisse effectuer la prise de référence auprès de vos précédents employeurs. Vous pourrez aussi envoyer par la suite votre CV, donc mise à jour par rapport aux conseils qu'il aura pu vous donner lors de l'entretien. Et enfin, il est très important que vous relanciez le consultant régulièrement afin de le tenir informé de l'avancée de vos process de recrutement.